Alors, comme promis, je vous ai fait en tutoriel ce petit album en pop-up. C'est un album qu'on m'a commandé. Je vous le montre de plus près. Donc, la petite fille s'appelle Arizona. Très très joli prénom, j'aime beaucoup. Donc, sur le thème des hippopotames. Donc là, j'ai mis quelques petites fleurs. Donc, celle-ci que j'ai faite, celle-ci de chez Prima, celle-ci aussi, je crois, avec des petits feuillages. Ici, c'est un ruban. Je sais plus comment on appelle ça. Un petit peu en froufrou, quoi. Un froufrou. Ici, j'ai mis donc une petite fleur en dentelle. Ici de la dentelle avec un ruban et de la dentelle en plus pour attacher. Voilà, donc il est assez épais. Donc j'ai fait que 3 pages parce que la dernière, vous allez voir, elle est très très grande. Donc on commence. Comme ceci. Alors ici, j'ai mis des petites fleurs en papier recyclé avec un peu de dentelle, de feuilles, le petit hippopotame. Ici, donc, ça s'ouvre par une petite ficelle. Donc, on peut mettre, je crois qu'on peut mettre à peu près un peu plus de 80 photos. Donc, ici, on peut mettre une photo. Ici aussi. Hop, quand on ouvre. Ici, donc, deux petits tags où on peut insérer des photos. Ici, donc, ça s'ouvre, hop, comme ceci. Je vais utiliser des petites images, mais on pourra mettre ce qu'elle voudra. Ici, pareil. Voilà. Ici, donc, deux photos. Ici, donc, on peut mettre insérer deux photos. Voilà, ici. Hop, et ici. Donc, toujours avec le petit hippopotame sur son petit nuage. Hop, ça s'ouvre comme ceci et là, alors, hop. Voilà, on peut y insérer une photo ici, une photo ici et une photo ici. Ensuite, ici, j'ai fait une checker. Pas facile de le bouger quand on est parce que tenir l'album en même temps c'est un peu compliqué. Donc ici j'ai mis des petites fleurs avec des petites feuilles. Ici donc on peut y mettre, hop, voilà les petits hippopotames, on peut y mettre une photo. Ensuite on l'ouvre comme ceci. Vous voyez, on peut y mettre 4 photos. Ici, donc, on peut y mettre une petite photo ici. Et ici, on peut en mettre 4. Et ici, pareil. Si ça veut bien rentrer. Voilà. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, une petite poussette avec un petit hippopotame. Donc là, les 5 mois. Ici, donc, hop, c'est pareil, on peut y insérer une photo. On peut même, si elle veut pas de l'image, en rajouter une ici.
avec deux petites mains en plâtre. Donc ça s'ouvre comme ceci et là on ouvre comme ceci. On peut mettre quatre photos, une ici et une ici, ce qui fait 6 photos. Ici, c'est donc ici on peut mettre donc une photo. Ici, en fait, ça se glisse. Vous voyez, je vais, hop, si j'y arrive. Je vais glisser comme ceci. Voilà. Et là, donc je peux mettre deux photos et une ici. Donc trois photos. Je le glisse de l'autre côté et je peux faire pareil. Alors, le petit souci, si tu regardes ma vidéo, j'ai mis donc un petit feuillage ici. J'avais pas pensé que pour ouvrir, ça allait gêner. Donc si ça te gêne, bah, tu le coupes. Sinon, tu as juste à hop, pincer un petit peu et il s'ouvre. Voilà. Voilà. Donc ici, on peut mettre en tout 7 photos. Ensuite, ici, un autre petit système. Donc ici, on pourrait mettre bien sûr une photo. Donc ça s'ouvre aimanté. Et ensuite, on a juste à pousser donc la première du bas. Et on pousse comme ceci. Voilà, ça fait un petit système de glissière. Et pour le refermer, pareil, je tire et ça se referme tout seul. Voilà. Donc, hop, je recommence. Ici, je pousse la première du bas. Vous voyez? Donc, tout simplement. Ensuite, ici, donc c'est le plus gros travail que j'ai fait. Ici, donc là, vous avez une checker. Voilà. Je crois que celle-là, je ne sais plus si on peut insérer une photo ou pas. Je m'en souviens plus. Vous le verrez sur la vidéo sûrement. Donc ici, une petite poussette, un petit landau en plâtre, une petite fleur. Il s'ouvre comme ceci, donc c'est aimanté. Voilà. Donc on peut mettre une photo ici, ici, ici et ici. Alors, il est assez épais. Pourquoi? Parce que quand je le déplie, voilà. Donc on a ceci. Donc ici on peut mettre plusieurs photos. Ici aussi. Et là, donc on peut émettre plusieurs photos. Donc, voyez. Voilà. Et ici on se retrouve aussi avec un emplacement photo. Mais en fait, si je tire comme ceci, voilà, on voit toutes nos photos se déplier. Voilà. Ce qui nous permet de mettre quand même pas mal de photos en plus. Voilà, donc c'est pour ça que celui-ci, donc c'est assez épais. Et j'ai trouvé ce système très sympa. Donc voici pour cet album. Donc si cet album vous plaît, je vais mettre assez rapidement, enfin je vais essayer de faire assez rapidement, mettre le tutoriel, donc pas à pas. Donc ça va être une vidéo par page. Donc si vous avez des questions que vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, écoutez, je vais vous dire à une très prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Je suis désolée, j'en poste un peu moins parce que le temps me manque. J'ai repris le travail à plein temps. J'ai très peu de temps. Il me reste le week-end et encore le week-end. J'ai un autre projet. Qui va arriver, donc j'essaye de faire un peu comme je peux. Donc un album, c'est très long à faire. Donc la cliente était très sympa, très gentille. Elle m'a dit
qu'elle n'était pas pressée. Et donc voilà, donc j'espère que cet album lui plaira. Je la remercie pour sa confiance et j'espère vraiment de tout cœur qu'il va lui plaire autant qu'il m'a plu de le faire. Voilà. Donc on se retrouve très très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.